Bonsoir et bienvenue sur L-Types. Putain, mec, dans deux secondes, vu le ton que je suis en train d'employer là, dans deux secondes, je te vends une machine à laver, quoi. Bonsoir. Toi aussi, t'en as marre d'avoir ta chemise sale après être rentré du travail? Oui, en effet, grâce à ma super machine Whirlpool, tu as la possibilité de laver ton linge sale. Ce qui devient du linge pas sale. Mais elle a une fonction incroyable. À l'intérieur se trouvent des petits lutins qui viennent repasser le linge. Pardon. Sinon, on va découvrir un jeu. Salut. Bonsoir, le chat, n'hésitez pas à dire bonjour. Oh. Non mais en fait en ce moment plus ça va, plus mes intros c'est de la merde, je fais exprès de faire des conneries. Ne vous étonnez pas si à la fin de cette vidéo, quand je vous dis au revoir, ça coupe en plein milieu d'une phrase. C'est normal, c'est aussi un nouveau délire que j'ai en ce moment. Tu vois genre... Et n'hésitez pas à vous... Et puis ça coupe comme ça. C'est mon nouveau trip. Et vous verrez, restez jusqu'au bout, vous allez voir. Et on terminera sur une petite session FPV évidemment. Évidemment. Avec un petit trip FPV. Ouais, j'y ai pensé direct, Shaizu. Quand je l'ai dit dans ma tête, j'ai failli le faire. Salut le body. Bonsoir en tout cas à toutes les personnes que j'ai pas vues. Soyez les bienvenus, installez-vous dans la boucherie. Je suis un homme heureux. Oui. Oui. Je suis un homme heureux. Parce que j'ai pu voir un scan 3D de mes futurs enfants tout à l'heure. Dans le ventre de ma super chérie. Et je suis heureux. Voilà. Je peux le dire. Par Luta, c'est Foufou qui repasse. Bon, arrêtez de croire aux légendes. Elle est brutale, elle est tellement vraie. Elle est tellement brutale, elle est tellement réelle. Tu as demandé le fichier STL, DJ? Pour l'impression 3D des bébés? Oui, j'ai sur une clé USB. T'imagines? Non, mais en fait, attends, c'est un coup, tu poses une question réelle, là. Non. Imagine, tu peux faire une impression 3D de tes fœtus, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Chérie, j'ai imprimé les gosses. On est donc parti à la découverte d'un 7-Div game. Comme j'aime énormément appeler ce style de jeu. Un 7-Div game, je rappelle, c'est un jeu dans lequel en fait on va se balader dans une zone qui va se répéter énormément. Et il va falloir être extrêmement observateur, puisque parfois il va y avoir des anomalies, des choses qui vont pas être pareilles, qui vont changer, qui vont bouger, disparaître, apparaître. Et en fonction de ça, il va falloir que je prenne l'ascenseur en face, ou pas. S'il y a une anomalie, je fais demi-tour. S'il n'y a pas d'anomalie, je continue, de ce que j'ai compris. Donc le jeu que l'on va tester, il a un nom un peu à la con, si tu veux mon avis. Il s'appelle Hospital 666. Gros quand même comme titre. C'est un jeu qui est sorti le 5 mars 2024, noté plutôt positif avec 482 avis, développé et édité par Lockin, c'est ça. Un jeu que vous pouvez trouver actuellement au prix de 7,79€. Et je vois que c'est un jeu qui a des mises à jour. Dernière mise à jour le 2 avril, version 1.1, qui ajoute de l'optimisation. Voilà. Comme celui dans le métro ou un truc du genre. Exactement, dans ton cœur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce qu'on est parti? La boucherie, est-ce qu'on est parti? Pour l'instant, c'est quel jeu de ce genre que tu préfères? Faudrait me redire les noms de ce qu'on a fait. Exit 8, j'avais adoré. J'ai l'impression que tu kiffes bien les Exit 8 like. Ah, mais complètement. C'est un nouveau genre de jeu, en fait. C'est un nouveau genre de jeu et j'aime beaucoup ce truc, surtout que c'est très participatif. Oui, Shinkansen était très bon. Effectivement, merci. J'avais zappé, mais effectivement, Shinkansen était super bon pour le coup. Attends, je te mets en plein écran. Oh putain, c'est abusé. Il y a tellement de condensation sur le tube. Oh, il y a de l'eau, quoi. Il y en a de l'eau, littéralement. Oh, que je me méfie de ça, moi. Bon, allez, c'est parti. Effectivement, Shinkansen était juste excellent, quoi. Demandez à la gynéco de bien tout vérifier à fond. Quand ma maman était enceinte de moi, elle avait gardé son stérilet. Du coup, je suis né avec un appareil dentaire. La gueule du tout vip, je t'en raconte pas.
Ah ouais, quand même. Ça te fait... Putain. Oh putain, quoi. Bon, allez, on est parti, let's go. Allez, on y va. Allez, on y va. Disparition du... Ah, pif, sort ça normal, en plus, en pleine vidéo YouTube et tout. Nouveau jeu, let's go. Ok, facile, les anomalies sont de mise, les anomalies dans chaque chapitre sont aléatoires. Mais voilà, c'est ça qu'on veut, nous. L'enfer. Démarrer une nouvelle game, ok. Il est sur le drill store, là. D'accord, donc c'est le développeur qui s'est tapé un délire, là. Le développeur qui s'est tapé un délire, il a fait le PNJ, quoi. Il a full raison de faire ça. Ok, donc c'est un jeu qui tourne... Attention, vous allez avoir une alerte Windows. C'est mon PC. Exprès d'activer le chat juste pour que YouTube y voit l'espèce de bande de saloperie de troll que vous êtes. Que voyez-vous, j'ai beau prévenir que je déconnecte un périphérique, j'ai beau prévenir qu'une alerte Windows va retourner. Regardez, regardez-les. C'est quoi cette notif? Ça vient de chez moi? Oh, j'entends plus, j'ai plus de son. Voilà. Et encore, ils ont été soft aujourd'hui. D'habitude, il y en a au moins une dizaine qui me sortent. Oh, j'ai entendu un périph Windows. Il se passe quoi? J'ai entendu un drôle de bruit. Qu'est-ce qui s'est débranché? Bande de trolls que vous êtes, va. Bande de trolls. Ah, merde, je comprends pas d'où ça vient. Je crois que mon PC bug. Allez vous faire foutre. Allez, go. Vous pouvez utiliser le bouton du haut pour revoir l'étage précédent. Le feu orange à l'extérieur de l'ascenseur signifie que vous partez de cet ascenseur. Oh là 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 là, c'est très bien traduit, dites donc. Je vais plutôt le lire dans cette langue-là. So sei tornato al piano zero. Puoi utilizzare il pulsante in alto per rivedere il piano precedente. Oh, ça veut dire quoi? En gros, si vous trouvez une anomalie, appuyez sur le bouton du bas de l'ascenseur d'où vous venez. Donc ça veut dire continuer, monter un étage, c'est ça? Ok. Qu'on soit bien d'accord. On est... Il faut que j'avance, je regarde s'il y a des bizarreries, et en fonction de ça, je reviens dans l'ascenseur et je fais... Mais attends. Attends, je comprends pas. Parce que là-bas, t'as l'ascenseur pour continuer quand il n'y a pas d'anomalie, de ce que je comprends, mais ici... Pourquoi là, t'as un rewind et un monté? Bah, du son. Faut que ça fasse chez vous s'il y a un truc. Alors, une seule personne qui patiente dans un hôpital, c'est déjà très anormal. C'est écrit sur la notice. Ouais, bah elle veut rien dire la notice, Rockbot, tu rigoles. C'est tellement mal traduit. Si vous êtes revenu à l'étage 0, vous pouvez utiliser le bouton du haut pour revoir l'étage précédent. Le feu orange à l'extérieur de l'ascenseur signifie que vous partez de cet ascenseur. T'as compris quelque chose à ça, toi? Ça là, oui, à gauche, ça j'ai compris ça, mais en gros, si vous trouvez une anomalie, appuyez sur le bouton du bas de l'ascenseur d'où vous venez. Ouais, donc c'est ça, c'est ce que je dis, tu reviens dans l'ascenseur, donc ça, ok. S'il n'y a pas d'anomalie, appuyez sur le bouton du bas d'un autre ascenseur. Mec, ça veut rien dire. Mec, arrêtez, faites pas genre, c'est très clair, ça veut rien dire ces phrases. Elles veulent rien dire ces phrases. Faites pas genre, c'est très clair tout ça. Bon. Écoute, on va tester, on meurt, on gagne, pas grave. Il a les mains... Il a des mains bizarres.
Merci. Bonsoir la boucherie. Je regarde tous les objets un peu. Je sens qu'on va se faire baiser la gueule, mais alors quelque chose de bien. Il y a le bon et le mauvais ascenseur. Exactement. Alors, salut Babar. Si la lumière est orange... Si la lumière est orange et sur l'ascenseur, c'est l'ascenseur d'où tu viens. S'il n'y a pas la lumière orange, c'est un autre ascenseur. Pourquoi j'ai toujours pas plus compris après sa phrase ? J'attends de voir ce qui va se passer. Parce qu'il n'y a pas d'interaction possible. Donc là, admettons, je sais pas, je vois rien de bizarre. Genre je trace et hop, ascenseur quoi. Une pub Pfizer. Putain, arrête, j'en ai quelques-unes de doses dans le bras. Donc, si vous trouvez une anomalie, appuyez sur le bouton du bas de l'ascenseur d'où vous venez. Non mais mec, oh là là. Donc ça ? Donc là, je suis à l'ascenseur d'où je viens pas. Donc là, j'ai dit d'accord, là ça va passer à 1. Ok. Alt F4. Le mec, c'est sympa. L'enculé va faire d'Alt F4, le dev. C'est rigolo comme c'est fait. Ok. Étage 0 égale pas d'anomalie, j'ai bien compris. Ok. Et du coup, là, je reprends à 1. Ou je reprends à 0 à chaque fois. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ok, je reprends à 1. Donc là, faut faire comme ça. Donc là, tu reviens et tu fais ça. Là, celui-là permet... Ok. Il permet de revoir... Ok. Donc là, je fais ça. Et je dois monter combien d'étages, comme ça ? Mais 666, bah putain, il y en a pour un moment. Eh bah dis donc, on va s'amuser un moment, là. Voilà. Voilà. Comme un doute. Léger. Par contre, c'est intéressant que ça sauvegarde. C'est vraiment intéressant ça, parce que ça te permet quand même d'être sûr que... Bah que tu peux progresser quoi. Le mec assis sur le lit, j'ai même pas fait gaffe. Il avait quoi le mec ? Eh ? Tu veux pas que je te suce ? Si j'ai une anomalie à chaque passage, ça va être simple, ouais grave. Oh c'est doux. Mais c'est doux, les gars. Je suis toi, t'es moi. Mais si tu es toi, moi je suis moi. Ok. Donc là y a rien, donc là j'y vais.
Et là, ça reprend le même truc, mais dans l'autre sens. Le bouton rewind permet de voir les tâches précédentes. Je pense que c'est un moyen d'observer pourquoi on a perdu. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ça jusqu'à 660. Ah non, mais j'espère que c'est pas ça, parce que ça va être très très long sinon. Ah non, elle est pour moi. Ah, ça devrait pas alors. Parce que là, justement, ça veut dire que le couloir est inversé. Non. Oh putain. Oh putain, tu me fous le... Toi là, parle-moi. Non, non, c'est normal. Ouais, parce que pour moi, on vient de l'ascenseur de l'autre côté, donc Donc là, justement, là, je continue et je... Écoute, on va dire que c'est bon. On verra, c'est un con, c'est raté. Non, c'était bon. C'était stylé ça. C'était cool ça. J'avoue, j'ai peut-être un tout petit peu joué avec le feu. Non, peut-être que j'ai un tout petit peu joué avec le feu. Tu y as fermé l'ascenseur au... Ah non, mais carrément, sur le pied, je lui ai fermé. Et s'il y avait un succès? Tant pis, je suis pas chasseur. Et là... Sûrement que certains se disent, bon, ça a l'air d'aller. Non, moi j'ai vu un truc. Moi j'ai vu quelque chose. Bien vu. Vous l'avez vu. Oh! Comment ça s'appelait? Comment ça s'appelait la vidéo de ça là? Eux là. Comment ça s'appelait ça? C'était trop bien. C'était pas Stickman. C'était un truc genre Apu Apu, je sais plus quoi là. Non, 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 pas la linéaire, rien à voir. C'est un nom bizarre, un peu comme ça là. Non, 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 rien à voir, vous avez, bah, c'est un coup, vous avez pas connu. C'était des persos bâtons comme ça, mais qui se battaient en mode super bien fait, en mode karaté et tout, c'était trop stylé. Xiao Xiao, putain, merci Valandil, Xiao Xiao, c'était ça. Moi, c'est Xiao Xiao que j'ai connu. Merci pour le sub. Coucou DJ et la boucherie, comment ça va? Hello, coucou Ursoft, merci pour ton 16e mois. Merci beaucoup. C'est bien que j'avais entendu un bruit bizarre. Je suis emmerdé. Salut Vali. J'ai vu l'écho. Ah, madame va très bien même. En fait, à vrai dire, pour l'instant, madame va très très bien. Terminé les nausées pour l'instant. Mais très fatigué. Forcément, bah son corps travaille pour trois. Les bouchers, vous... Ah, mais la lumière orange, je viens de comprendre. La lumière orange dont il parle, c'est cette espèce de barre là, là. Qui est quasi blanche, hein, avec le décor autour. Ah, putain. Les 6 sur les portes me font chier, moi. Ça me paraît bizarre, moi. Ça, je l'ai repéré direct, hein.
Deux extincteurs. Mais ils étaient déjà tout à l'heure. Vas-y, on va partir. On va partir du principe que c'est une anomalie, ça. Ça en était bien une. Ça en était bien une. Merci pour vos messages, tout le monde, pour la grossesse de Tite Foufoui. On est très fiers, elle et moi. On est très, très fiers, elle et moi. Fiers, on est heureux comme tout. On est encore un peu sonnés de se dire qu'on va devenir des parents, quoi. Ça fait bizarre de se dire que... Tu remets tout en question, en fait, quand c'est à ton tour de le devenir. Tu remets tout en question. Tu repenses à toi quand t'étais enfant. Tu repenses quand tu te faisais engueuler. Tu repenses aux échecs. Tu repenses aux victoires de ta vie en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant, tu vois. Tu repenses un petit... Enfin, moi, en tout cas, c'est des trucs qui me traversent la tête depuis quelques temps. Depuis que c'est officiel et je sais que je vais être papa, quoi. Ça fait trop bizarre. Je suis si fier. Ok, non? Si j'ai deux garçons un jour, je les appellerai Bill Bokeh. Ouais, pour moi aussi, Caradoc. Vu le calendrier? Clear pour moi, ouais, pour moi aussi. Qu'est-ce qu'il a le calendrier à zéro pour toi? Non, il y a une anomalie. Non. Ah bon, il y aurait une anomalie apparemment. Voilà, pour l'instant je ne l'ai pas. Le tableau de montagne. Oh. C'est quoi? Ça aurait été très bien s'il n'y avait pas eu le cri chelou là. C'est quoi? C'était quoi ça? Les mecs. C'était quoi ce cri de jouet pour chien là? C'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas ouf. Oh merde. L'image était bonne. L'idée, l'image et la mise en place étaient très bonnes. Juste le son était pas bon. Juste le son, il a dit quel truc pour moi. Salut Coincoin. Clairement anomalie, mais la question c'est, est-ce qu'on peut mourir et tout perdre dans ce jeu? Ou est-ce que je peux m'amuser à essayer de voir un peu de plus près, tu vois? Vas-y Charco, je veux la réponse, oui. Tu peux tout perdre et recommencer à zéro alors, ok. Bon, on va pas trop jouer alors. On va quand même essayer d'avancer un peu quand même. Le but c'est pas de gagner mais c'est de s'amuser. Oui, en soi oui. Bon, si on peut essayer de réussir le truc, ça peut être bien aussi. Pour l'instant on les a tous réussis ces jeux là. En vrai, ça va, c'est assez simple quand même pour l'instant. Le tableau, clairement, on aurait pu le voir.
pense qu'on est bon, hein. Je tente. Salut Rogash. Eh Rogash. How are you, monsieur Rogash? Tu sais que je m'attendais à tout moment qu'une porte s'ouvre et qu'on te court après. J'adorerais. Ah, j'adorerais. Je suis sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une dinguerie, un flingue posé ou un truc comme ça, tu sais. J'aime bien Caradoc qui met un smile, qui, ça veut tout dire, ça. Ok, je dirais que c'est bon. Je tente. Je vais devoir changer de couche bientôt. Attends, ça va, en vrai le jeu pour l'instant il fait pas méga peur, ça va tu vois. Y a un peu angoissant mais oh, ça va, rien de trop méchant. Pour l'instant c'est du 7 Div game, y a eu un truc ou deux un peu type horreur dont un qui était même très drôle dans les deux mais ça a l'air ok pour l'instant. Ouais, on a eu un fantôme pouic. On a eu le fantôme pouic, je te jure, c'est vrai. Je te jure. Regarde les médocs. Non, putain, je me suis raté. Non, je me suis raté. C'était quoi du coup? Ah, bah attends, du coup, là, on peut faire ça alors. Là, on peut revoir l'étage alors. C'est l'horloge le problème? Ah oh, putain, il y avait trois horloges. Oh putain, il était là le problème. False Dream, je connais pas Polska, on l'a pas fait. C'est flippant ou pas? Salut, she looks like me. Allez, deuxième run. Allez, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Moi je dis c'est bon. Moi je dis c'est bon là. J'ai ouvert mon Facebook et j'ai vu des petits bébidous. Ah, t'as vu la photo, Shilux? Tu l'as vu la photo 3D de l'échographie? Quoi le tableau? Non, il allait bien le tableau. Pour l'instant, c'est moi ou ça se profile presque dans le même ordre là? J'ai cru, mais c'est un bug chez moi, j'ai eu. Ah bah y'a pas de soucis, t'inquiète. C'est bon, y'a qu'une horloge. C'est bon? Je tente, hein, écoute, je tente. Hein. On essaie de remonter, on était au quoi? Étage 14? Du coup, on est censé monter combien d'étages? Comme ça. Oh, y'avait un raté. Pardon? Y'avait un raté? Étages. Les médocs, t'as pas regardé? Oh putain, me dis pas que c'était ça. Non. Je sais pas, vous dites vu, mais j'ai pas vu moi. Et les copains, vous savez que ça a pas changé les coups de main? Les portes. L'alarme incendie au-dessus de... Non.
Je vois pas le problème là. Elles sont énormes les portes. C'est pas faux ça. Ah ben en plus que ça, elles changent carrément de taille en fait là. Putain! Et là, elle rétrécit, là. Ouais, elle change de taille, en fait. Elle rétrécit pas, par contre, mais... Ok. Ah ouais, effectivement, c'est de la grande porte, ouais. Ok, baby. Ouais, elle était bien, celle-là. On l'a eu dans un autre 7 Dive Game. Bon, on n'a pas eu un truc du genre dans Shinkansen, justement. Il me semble. Ok. Bon, allez! C'est la faute à Caradoc. D'ailleurs, je suis un expert des jeux de désert. Ouais, non, c'est surtout que t'as dû regarder le stream ou t'as dû y jouer à tous ces jeux-là. Tu me feras pas croire que t'es juste un expert de ça. Je suis sûr que tu t'es juste spoilé dans tous les sens et tu connais les anomalies. Tu me baseras pas. Alors, c'était Exit 8. Ah ouais, c'était Exit 8, ah ouais. Dans Shinkansen, il y a eu de tellement bonnes idées. Incroyable. Ah, t'as voulu nous baiser. Ouais, dans Shinkansen, je me rappelle de très bonnes idées, comme, tu sais, l'espèce de fantôme cadavre qui te suit, mais que dans le reflet des vitres. Ah, oh, trop flippant, ça. Donc, attends, j'ai pas compris. 16 étages et après de 100 à 116, c'est ça? J'ai pas compris ce que vous m'expliquez sur les étages. Salut, Rosarel. Salut, Ben. Hello, Lydion. Lydion. Je l'ai vu très tardivement, mais je l'ai vu. Oui, au cas où, il y a le bonhomme là-bas, tu sais, sur le panneau exit. T'as le bonhomme, il court comme ça. T'as vu comment je fais le... Alors, contenu du jeu, plus de 100 étages, 85 anomalies uniques et 5 boss. Des boss. Je finis Days Gone et aussi nouveau Dying Light. J'ai envie de ce type de jeu. Ah, t'as envie de buter du zombie, toi. C'est tellement bien, zombie. C'est con, ça pue, ça grogne. Oh, que j'aime bien ces bestioles, moi. Y'a des boss dans ton jeu. Je suis choqué, là. Ah, mais tu... Ah. Dead Island 2, si... Ah ouais, Dead Island 2, ouais, tiens, elle a raison. Elle a raison, là. La petite Miss Blodine. Tu as 617 niveaux déjà. Mais non. Ouais, mais attends. Tu vas pas me faire croire. Tu vas pas me faire croire qu'il faut faire les 617 étages pour finir le jeu. Je pense que tu le finis avant ça. Il doit y avoir des raisons. Ou des moyens de passer de 10 étages en 10 étages. Ou tu vois. Plus de 100 étages différents, mais que ça, que 16 à gagner, non? Ouais. On verra, écoute. Écoute, on verra, on va essayer d'aller plus haut. Donc là, t'es en train de me dire qu'on était à deux doigts de le terminer. Non. Non, quand même. Je te rassure, il a pas... Ouais, non, c'est ce que je me dis. 0,16, 100, 116, 200, 216. C'est ça, 300, 316. Donc en gros, il y a une centaine d'étages réels à faire. Ouais, on est en normal, là, Nopower. Médoc. Ah ouais, Poulpi, pas mal celui-là aussi. Il y a eu de très bonnes idées. Tous les 16 étages, tu as un boss. Là, tu passes 100 étages et après, tu refais 16 étages, tu passes à 200. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ça se fait en quelques petites heures, en fait.
La bouteille, il était sur le plateau de Médoc. Oui. Celle-là, tu parles. Encore 3 à 6 étages, DJ. Écoute, je tente. Ce jeu est cool à partir du 3ème. Attends. 3ème étage ou 3ème palier après avoir fait des boss, tu vois. Salut Medialo. J'avoue qu'il y a un truc qui m'emmerde. Il y a un élément qui m'emmerde. Ok. C'est le bruit de pas qui me fait chier. Ok, 300. Ok. Ah ouais, d'accord. Parce que pour l'instant, en fait, il est pas cool. Ok. Bah, cool alors. Bye, bro. Oui, pareil. Oh, non, le bruit de pas, il me brise les couilles. On peut pas le virer d'ailleurs ? Ah putain, t'as juste ça. Ok, bon, bah on peut pas le virer. Les bruits de pas, ouais, non, clairement pas ouf, hein. Je vais être tout à fait honnête. Le sound design, ça a pas l'air d'être le point fort du dev. Salut Sam, comment ça va? Mais on sait que tu portes des talons avec des barésilles. Non, ça c'est ce que t'aimerais. Salut Willy Boudish. Les extincteurs sont là. Là j'ai deux extincteurs là. Zut, je suis grillé. Je vois pas trop là. Vous avez repéré un truc qui vous embête là dans cet étage? Il y a la bouteille à Miss Bloodine qui est là, c'est bon. Salut Rem, comment tu vas? Au fait, est-ce que vous avez vu pourquoi j'ai passé l'étage avant le fantôme là? Vous avez vu, je suis sorti et puis d'un coup j'ai fait demi-tour, hop, et j'ai appuyé. Mais est-ce que vous avez vu? Non, rien de particulier? Ok. Au cas où vous auriez pas vu, c'était à cause de les portes avec les 6 dessus. En fait, les portes bleues avaient des petits 6 dessus assez peu visibles. Ok. Je suis sûr qu'à un moment donné, on va avoir un truc chelou sur ce tableau là. Ça va, ce genre d'anomalie, ça va, merci d'ailleurs. Elles sont plutôt cool. Elles sont assez avenantes. Ça se répète, je crois. Putain, j'ai l'impression que ça se répète un peu, hein, les anomalies aussi, hein. Ah, pour l'instant, c'est pas des nouvelles anomalies. Sauf celle-là, du coup. Crow Country, DJ? Survival Run? Non, ça me dit rien. Ah. On l'aurait pas eu deux fois dans la même run, elle, là. J'ai pas vu là. Il y avait une porte qui était entrouverte. Bon bah si ça enchaîne comme ça, ça me va. Moi ça me va. Bah écoute, je suis curieux de voir les boss là, ça vous m'avez intrigué avec votre histoire de boss. Il y avait quoi? Bah là à l'instant, un mec qui pleurait. Ah oui, putain, effectivement, vous voyez pas en fait? Et je vais vous dire à chaque fois, du coup, je vais vous dire à chaque fois ce que. Les portes qui grossissent. Je me disais, tu sais, j'ai arrêté la caméra, puis tu sais, je guette l'angle d'une porte, mais je dis, c'est moi ou l'angle il change de place là.
Et vous, là, qu'est-ce que vous en pensez? Y'a rien vu du tout là? L'horloge elle est pas à la même heure. Elle est censée être sur le 6. Les deux aiguilles sur le 6 normalement. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas plus de sièges que d'habitude. Moi je fais attention à ça parce que j'ai comme l'impression qu'on va se... On va s'y méprendre pour rien. Je pense que les sièges, tout va bien. Non? Ça m'a l'air clean. Non, vas-y, c'est bon, c'est bon. On y va? On y va le chat ou pas? Hein? C'est toi qui me dis! Le chat! Est-ce qu'on y va? Verdict, c'est le chat qui dit. C'est le chat qui dit. Ah, chat, il dit oui, hein. Le chat, il dit oui, hein. Vas-y, hein. Si tu dis oui, j'y vais. Allez, on y va. Bien vu. Je t'avoue que j'ai envie de retrouver ça là, ce jumpscare là du tableau, il était marrant. Il était rigolo celui-là. Par contre, Miss Blooded, alors elle est belle ta bouteille. Hein. Tu peux remettre de l'eau s'il te plaît quand je passe, comme ça je peux me déshydrater. Me réhydrater. Me déshydrater, oui. Ah, je suis pas à l'aise, chat, Safit. Ah, c'est pareil. Je vais t'appeler juste chat, ça te dérange pas? J'ai peur de bafouiller ton pseudo et du coup de manger ton pseudo. Je mange des pseudos. Les sièges. Eh? Là, par contre, t'as full raison. T'as full raison. Par contre, là, les sièges. Il en manque, là, non? Oh, attends, ça, ouais, non, pour le coup, je suis assez d'accord. J'ai l'impression qu'il manque carrément des sièges là. C'est que des rangées de 5. Donc là, on a des rangées de 3. Donc, ouais, ok. Oh là là, la boucherie. Oh là là. Oh là là. Allez, on y va. Je me suis trompé d'ascenseur, je suis un débile. Désolé, j'ai fait de la merde. Oh, c'est passé. Et c'était normal. Oh, les gars, vous aviez full tort. J'avais tort, je me suis trompé. Et en fait, c'est passé. Parce qu'en fait, on avait tous tort. Oh, oh, oh. Incroyable, incroyable. Alors là, c'est le coup de bol de fou là. Alors là j'ai bonne Cardoc. Ah mais de toute façon c'est bon, ça fait partie des trucs que je check même de loin. Tu te retournes, tu le vois tout de suite s'il y en a 3 tu vois. Putain on a eu chaud, on a eu chaud, hein. On a vraiment eu chaud avec les sièges. Hein. Chat qui partait sur une bonne intention et en fait tout le monde s'est dit eh le tableau j'avais pas vu. Ouais. On va pouvoir revoir ces super jumpscares extrêmement flippants. Attention. C'est trop. C'est trop. Ok, donc là.
Là, y'a un boss là. Ok. Bon bah voilà, on va pas... Hein. Non, ou le boss c'est maintenant. C'est ça. Ok. Ce serait pas un SCP. Ce serait pas le SCP 4. Comment il s'appelle? Le SCP où faut pas cligner des yeux là. Le plus connu, le plus connu. En fait, pourquoi je dis ça? La gueule qu'il a. Et le fait qu'il m'ait brisé le cou quand je l'ai pas regardé. C'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Le tout premier SCP, je sais plus c'est le combien. Je sais plus c'est le combien. Ah le bâtard. Ok c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. C'est 173, celui où il faut avoir 3 agents dans la même salle. Ça par contre, va falloir m'expliquer le bruit que je viens d'entendre, ça, à chaque fois il y a ça, c'est très bizarre. Inspiré des Exit 8, Escape Room, de la fondation SCP et de nombreux films d'horreur. Ah bah ouais bah je comprends mieux. Oh, ouais d'accord, il va super vite. Il va super vite quand tu lui tournes le dos. Waouh. C'est intéressant, ça j'aime beaucoup la séquence là. Hyper intéressant qu'est ça. J'aime beaucoup le gameplay voulu. Wouah. Let's go. Let's putain de go. Bon, je confirme que le dev, c'est pas son point fort, le sound design. Vraiment. Il y a vraiment un problème niveau sound design, là. Ok, on est à l'étage 100. Putain, c'est bon, ça. On va le finir, les gars. Ok, je vais déjà repartir, je vous le dis tout de suite. Je vais partir direct. Non, fallait pas. Mais non. Ah bah, je ne sais pas. Ah, fallait checker la salle. Et donc, j'ai perdu, là. Oh non, mais c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La salle fait partie du niveau. Oh. Donc là, t'es en train de me dire qu'en gros, j'ai passé une sorte de checkpoint et qu'à partir de maintenant, il y a une nouvelle salle en plus à checker. Oh putain, mais attends. C'est moi où tout a changé, là. Enfin, quand je dis tout, je parle pas du couloir, mais... Déjà, par exemple, y'a plus le mec. Donc c'est quoi? C'est des nouvelles anomalies? Oh, mais il commence à me plaire, votre jeu, là. Ah, il est là, ok. Oh, mais on est d'accord qu'à partir de maintenant, je peux plus repartir à zéro. Maintenant, c'est niveau 100 minimum. C'est ça. Ok, mais il est très bon le jeu. Alors là les potes. Alors là les potes. Eh ben bon courage. Eh ben bon courage, je vous le dis là.
Du coup, nouvelle salle, et bah on est complètement paumé. Clear. Par contre, ce serait bien qu'ils varient les tableaux dans l'hôpital. Grave. Vas-y, clear. Une salle témoin, non? Comment ça? Est-ce que t'appelles une salle témoin? Ah bon, si je m'en vais, ça fera une saleté de moins? Mais ça doit pas être ça, la phrase. Ok, 101. Ah, y'a jamais, jamais d'anomalie. Ah, mais c'est ça que t'appelles la salle témoin. Donc vu qu'il y a jamais d'anomalie, c'est sûr et certain qu'on peut la prendre en photo, limite, toi. Ok. Bah, faut la photographier avec les yeux, trichez pas. Vous trichez pas. Hop, hop, hop. Tu retires ce screenshot. Miss Bloated, put the screenshot down! C'est une anomalie, ça. Hein. Oui, d'accord, ça. C'est pas censé. Ça va pas, ça. On l'aurait vu avant. Oh, tu sais. Avec mes yeux, j'aurais pu passer à côté sans le regarder, hein. Quoi, les démons ils boivent pas d'eau? Ben non, ils boivent de la bière ou Hellfest. C'est bien connu. Ouais, l'eau 606, ça te déshydrate plus qu'à t'hydrate. Ah bah c'est clair. Celle-là, tu la bois en hiver, t'as chaud. Apéro, nickel. Tu vas voir qu'on va oublier le couloir, il y a des dingueries qui vont s'y passer et on va jamais les voir. Sont insupportables les bruits de pas, on est d'accord, mais je crois que personne les kiffe les bruits de pas ici. Bon. Clear là, non? La boucherie, t'en penses quoi? Ça... J'ai l'impression que c'est clear moi là. Non? Ah, t'as vu un problème? Body lab? Remontre les médocs sur la table s'il te plaît. L'armoire à pharmacie, bah elle était déjà ouverte tout à l'heure. Pour le coup, elle l'est déjà. Et ceux de l'autre côté. ECG doit être assez... Mais c'est quoi ECG? C'est quoi ça? Attends, il est où le ECG? Ah, mais sur ça, tu veux dire? Non, c'était peut-être pas ça. Je sais même pas de quoi on parle. Oh, parler avec des mots que je comprends, les gars. Parler avec des mots que je comprends, putain. Et je suis con, je vous rappelle. Eh, votre streamer, là, il est con comme un manche à balai, hein. Tout ce qu'il sait faire, c'est niquer, faire des jumeaux. Après, au-delà de ça, il sert plus à grand chose, votre gars là. Non, moi je dirais clear. Hein. Clear ou pas clear alors? Salut Anki, comment ça va, mec? Le machin qui fait bip 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 si t'es vivant et tweet si t'es cané. Ouais. Pas clear.
Pourquoi pas clear? Ah bah quand vous dites pas clear, dites pas pourquoi. Le clear. Pas clear, clear. Non mais les gars, bah dites-moi. Le scope a des chiffres. Ah et alors? Il en avait tout à l'heure des chiffres le scope. Pour moi il en a toujours eu hein, des trucs là. Les copains, si je puis me permettre, attention hein. C'est un jeu vidéo, c'est pas une simulation d'hôpital hein. Donc à mon avis c'est juste une vieille texture, un point. C'est juste une texture qui bouge pas et... Tu sais quoi? J'ai envie de tenter. Est-ce qu'ils ont eu tort? Ou est-ce qu'ils ont eu raison? Ah! Ils ont eu tort! Donc je confirme, c'est juste une vieille texture de base. Regarde. Yo, Bolidoux! J'ai prévu d'ouvrir une petite bière devant un bon stream d'un bon jeu d'horreur, donc ça va super. Ah, c'est bon ça! Ouais, bah écoute, l'autre il m'a zioté! C'est bon, j'y vais. Oh! Bah non, en fait, bah là c'est le mec qui me regardait cette fois, Pélican. Ouais, Pedro, il nous juge, là. Enfin, calme-toi, Pedro, là. Tranquillou. Hop. Et, attention, du coup, pour ceux qui boivent un petit coup, parce que quand, tout à l'heure, quand je finirai sur du FPV, attention quand même à pas poser de galette. Par contre, je commence à me demander si c'est pas que dans la salle, maintenant, le truc. Non ? Tracasse, j'ai l'habitude. Ouais, bah écoute, tout va bien, c'est bon, on continue, hein. Ah. Vu la gueule des tableaux, bon. Parce qu'il se passe plus rien depuis tout à l'heure dans le couloir, là. Ça y est, ils nous ont écoutés, ils ont changé les tableaux à fond. Voilà. Ouais, bon, on va... next, hein, ouais. D'ailleurs, on devrait demander à Pedro de rester quelques semaines là-dedans. Au bout d'un moment, l'odeur va devenir un peu lourde, ça va être sympa. Mais en fait, non, mais en fait, le couloir sert plus à rien, là. Le couloir, c'est l'intro. 4, 5, 6... En fait, le couloir, c'est l'introduction. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça, maintenant. Ah, il peut quand même y avoir des trucs. C'est sûr et certain, Skull, ou... Vue chaise roulante? Ah, oh, yes! Elle me dit non? Si. Yeah. Les trois nains, ils vont à la mine. Oh, pour... Cursed item, ouais, c'est ça! C'était bien le jeu hier, hein. J'ai kiffé, moi, en vrai. Le jeu où on devait chercher des anomalies bizarres dans une maison, là, j'ai bien aimé en vrai. Un peu facile. En deux, trois runs, on avait déglingué le jeu, mais en vrai, c'était cool. Salut, Nanin. J'ai bien aimé en tout cas.
Oh là là là, la sauce grid biche. Merci Isaac pour le rappel, bien vu. Plafond. J'ai pas aimé le run quand même. J'ai pas trop aimé le run si tu veux mon avis. J'ai même pas vu les traces, moi j'ai vu run surtout. Surtout que ça s'écrit pony run. Ok, c'était normal. Ah, les traces ? Quelles traces en fait ? De quelles traces vous parlez ? Ah, les détecteurs, ok, ouais, c'est une vieille ombre mal précalculée. Ah oui, elle est vraiment très mal précalculée, hein. Ah ouais, je confirme, ouais. Il manque un truc, armoire pharmacie. Comment ça? Qu'est-ce qui manque là? Drap de couleur différent, ça je l'ai déjà vu. C'est normal. Gamers don't look up. Arrête. Genre y'avait un truc. Arrête. Habito. T'as vu ton sandwich à la mayo là, il te fait dire des bêtises. Salut Defcon, comment tu vas? Please, developer, can you make an update where you just remove that fucking footstep sound? Ah, it makes me crazy! Le lit du couloir est normal? Je dirais que oui, m'a pas l'air... non, ça va. Alors! Ah, j'ai tenté! Ah! If I lose this, it's because of the sound. Ah oui. Don't remove it! Keep it! Ah ouais, comme il gère l'anglais maintenant, DJ. Non, ça va. Par contre, j'ai décidé d'arrêter de chercher à mettre un accent quand je parle anglais. Parce que je me rends compte qu'à chercher à mettre de l'accent quand je parle, je m'embrouille plus qu'autre chose en fait en parlant. Donc j'ai arrêté. So, when I wanna speak English, I will speak like this. I'm not gonna try to make an accent at all. I will speak with this French accent. Tu vois? Et en fait, ça va être beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer à l'oral tout en comprenant tout ce qui se passe, quoi. J'ai trop voulu faire yeah, I'm DJ Bursary, yeah, so I'm gonna try to put an accent on my English et tout. Nick, vas-y, Nick. Ça sert à rien, à part me donner un genre, ça sert à rien. À part me donner un genre que j'ai pas, et derrière m'embrouiller dans ce que je dis, ça va rien apporter d'autre. So, gonna speak like this. Bonjour. Tu sais à quoi ça sert ça là? Ça là. Ça sert à éteindre le cul de mon deck, c'est celui d'un père attendu. Le problème, c'est que vu le niveau de chaleur, faut un extincteur par personne. Surtout que ton accent est meilleur quand tu n'en fais pas. Quelle idée de vouloir faire un accent. Non, je pensais qu'on me comprendrait mieux. En fait, je pensais que les Anglais comprendraient mieux avec un petit accent. Bah, même pas en fait, tu vois.
En général, tu fais hello, my name is DJ. Ok, j'ai vu un truc. My name is DJ Bushri. Welcome to the stream. Et là, il va dire can you repeat, please? Il va dire hello, my name is DJ Bushri. I love you. Hein. Il va dire this is like what I want. Ouais, vous l'avez vu la télé. Hein. C'est le dev, ouais. J'ai reconnu. Bah en fait, c'est le dev, mais on est le dev, hein, les gars. Je sais pas si vous avez capté, mais c'est nous le dev, en fait, hein, dans le jeu. T'as failli. Ah, mais j'ai regardé. J'ai regardé. Imagine, tu voyais ton stream. Ça pourrait nous faire penser à Kiddy Topette, qu'on a fait il y a pas longtemps. Tu te souviens de la soirée horreur? Hello, I'm French because I love Sauciflar and the Vidas. Et de goulayante, t'inquiète. Et de goulayante, t'inquiète. On me rappelle vaguement, peut-être pas mot pour mot, mais... Retire tes talonnettes. No, I love my talonnettes, hein. Le jour où t'arriveras à regarder ton menton dans la réalité comme ton perso, faut m'appeler. J'avais pas vu. Ouais, j'ai beau essayer. Je confirme que IRL, j'y arrive pas. Par contre, là, on peut. Eh, attends, ça dépend. Des fois, il y a du menton, des fois, il y a pas du menton. Pourquoi il a pas du menton là? Redonne-moi du menton, s'il te plaît. Là, je l'avais. Je l'ai eu pendant un instant. Attends. J'imagine les gogoles qui ont essayé IRL. Bah là, à l'instant, je vais essayer. Skull Belge, t'es vraiment sûr pour le couloir pour l'instant? J'ai l'impression que pour l'instant c'est que dans la chambre, hein, que ça se passe. Hein. Question. Plus 1, ceux qui ont essayé de toucher leur menton. Pas de toucher le menton, mais ceux qui ont essayé de voir leur menton. Mettez-moi un +1 pour voir. Faites-moi rêver un peu là. Moi je l'ai fait, hein. Ah, y'en a plein qui en ont testé. Ah, y'en a plein qui ont testé. Ok, maintenant je voudrais juste rappeler un truc. Quel âge avez-vous sur le chat, s'il vous plaît? C'est pour rappeler à YouTube que ce sont pas des enfants de 12 ans, hein, qui sont en train de tester. Hein. Rappelez-moi quel âge vous avez. J'ai 36 ans. Regardez l'âge du chat. Oh putain. Voilà. Voilà le niveau de cette communauté. Y'en a un qui dit ouais, qui voit son menton IRL, et t'as 50 connards de 40 balais qui sont comme ça. J'arrête un bus avec ma tête. Oh putain. Un Bogdanov, il le voit. Non mais le Bogdanov, il le voit H24, même s'il regarde en l'air. Bon. Oui, mais c'est ça la boucherie, c'est trop bien, on est des gamins. Mais bien sûr que c'est trop bien. C'est pour ça qu'on kiffe aussi ensemble. Retour. Non, on continue. Rien là. La boucherie, la shribou, wesh ma gueule. T'en penses quoi, toi? Eh, monsieur Tristan. RAS, ouais. Alors, on essaie de regarder son menton et toucher votre coude avec votre langue, vous y arrivez. T'es trois nains qui vont à la mine, Tristan. Clear, hein. La boucherie, est-ce qu'on valide un clear? Ouais, non, il voit plus grand-chose, hein. Ouais, non, ça doit être sombre, là, effectivement, à côté. Non. Clear? Pour vous, c'est clear? J'ai rien vu, j'ai essayé de regarder mon menton. Allez, on y va, clear. On a bon ou on a pas bon? Et les boulets sont là. J'ai ripé 2 ou 3 fois, je crois. Eh, ça va.
Ça fait pas une grosse moyenne en quasiment 10 ans de live, hein. 9 ans. En 9 ans de stream, j'ai ripé 2 ou 3 fois maximum. Oh, bon, le rip, il était violent quand même. Hein. Au lieu de vous appeler les bouchers, je vous ai appelé les boulets. Mais oui, c'est en fait c'est un. Je suis en train de rétrécir en fait. Regardez, je suis en train de rétrécir à vue d'œil là. Les gars. Oui. Bon. Bon, on va se barrer vite parce que bientôt je pourrai plus. Eh hey, putain, taille normale. Ah, trop bien. Stylé. Stylé. Salut Vegeta. C'est un jeu, c'est un 7 deal game, Vegeta. Le but, c'est de trouver les choses qui changent. Tu deviens un quatrième nain. Attends, tu te rends compte quand même de la coïncidence? Tristan qui débarque. Je dis, c'est trois nains. L'étage d'après, s'il te plaît, je raptisse. Je te demandais ça, le jeu est basé sur quoi? C'est un 7 deal game pur. Le but, c'est de chercher les différences d'un étage à l'autre. Et des fois, il y a des trucs un peu flippants qui se passent et c'est cool. C'est trop bien. J'adore ce genre de jeu. Salut Asmodus. T'as vu qu'il y a encore des trucs dans le couloir? Alors pour moi non. Pour moi non, c'est pas vrai. Ça c'est un mec de la salle, c'est pas un trigger couloir ça. Non mais oh. T'as failli avoir besoin de chaise roulante. Mais lui, c'est le dev, en fait, hein. C'est ça que je disais. C'est lui, le dev. Ah oui, DJ, je rentre aussi dans le club futur papa. Bon, je triche déjà. Déjà eu 3. Le papa, que je suis... Oh, bravo, Snake. Bravo. Je sais pas si t'as vu la photo qu'on a mise sur... Enfin, que j'ai postée tout à l'heure sur les réseaux. Je vous le dis, c'est sûrement une des seules photos que vous verrez de mes enfants. Au cas où. C'est justement parce qu'on... Ils sont pas encore formés, tu vois. Vu. Oh. Porte en plus. Ah mais oui. Ah mais t'as raison. Donc effectivement t'as raison. Dans le couloir il peut encore se passer des trucs bizarres. Ouais bah en fait c'est ça, c'est ça en fait, la porte au-dessus des calendriers qui vous a indiqué. Le mien aura 20 ans le mois prochain, let's go, magnifique. Ah t'as vu? Et là il est content parce qu'il se dit, yes, yes, yes. Bon si on se fait pas trop de la merde, on a bientôt le deuxième boss hein. J'avais pas vu. Avec la fameuse... avec le fameux slogan. Parce que qui a vu verra. Vu.
Il y a un cadavre en dessous. Je dois encore en avoir dans le tiroir. Moi aussi. Même à portée de main carrément. Un cadavre vivant, on l'enterre où? Belgique, oui. Ou Belgique ou France. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est tout à l'heure, on faisait des jeux de d'énigmes et de jeux de mots en fait. Les gars, faut pas se rater. Le deuxième boss va découler de cette win ou pas? Faut pas se rater sur celle-là. Cette phrase à portée de main, c'est marqué ça? Ah non, pas du tout. Puis c'était marqué sur le. En fait, j'ai cru que c'est le jeu de mots qu'il a fait. T'as pas compris, en fait. Non, mais rien de. En fait, c'est moi, j'ai dit oui, j'ai dû vu à portée de main, mais à portée de main comme porter des lunettes demain. À portée de main, c'est là, porter des lunettes demain. Ah, je m'en bats les couilles, c'est Skolbel, c'est pas moi. Je vais retourner voir Dildrake, mais attends, parce que là j'arrive pas à savoir si c'est si on est bon là. Qu'est-ce qui t'a intrigué dans la salle, Dil? Hello Ceres. What did you see? What did you show? Normal que la vue du haut, de haut en bas? De quoi? Attends, de quoi? C'est normal que la vue va de haut en bas quand tu restes immobile? Ah oui, bah c'est le perso qui respire, ouais. C'est le perso qui respire pour moi, ça. La poubelle derrière le mec. Bah elle a quoi? Elle est normale, hein. La poubelle derrière le mec est complètement normale, hein. C'est un des premiers trucs que j'ai vu dans cette salle. Bon. On valide? La boucherie, tu es responsable! Tu es responsable de la réponse! La boucherie, à ton avis, clear ou pas clear? Mais comme ça on voit les gens, hop, tu vois le texte il apparaît sur du une zone sombre. Merci pour le sub. Oh Red Raven, merci beaucoup pour ton prime. Merci de m'avoir choisi avec ton Twitch Prime. Merci infiniment. Clear, clear, plus 1, clear, +1, clear, clear, je contracte. +1. Tu es responsable de rien. Attention! Boss ou pas boss? Boss! Oh! Wouah, ça bug à mort, ça clignote et tout. Oh non, j'étais bloqué par la porte. Oh non, il y a un truc qui s'est ouvert derrière moi. Oh non, il y a un casier qui a dû sortir, je pouvais plus reculer. Oh, dégoûté. Bon, c'est dommage, j'étais à la fin en vrai. Mais bien sûr, je te jure, c'est vrai. Là, tu vois bien qu'il y a des trucs qui s'ouvrent comme ça là. Ça. En fait, j'aurais dû faire ça direct.
Waouh, les bugs de son, c'est infâme par contre. Oh, mais il était easy le deuxième boss en fait. Et donc là, on a une nouvelle porte. Ah, c'est une autre salle cette fois. Ok, c'est pas une salle en plus. C'est une autre salle. Ok, un bloc opératoire, je dirais. Ah. Un bloc. Oh là là. Oh là là, va se passer des bizarreries dans ton jeu là. Mais non, premier degré, c'est un Wolfies. Hein. Pour le coup, j'attends. En fait, à la base. Ah, ou plutôt une morgue en fait, ouais. Là, c'est plutôt pour vider les corps. En gros, quand j'attendais contre le mur, j'attendais juste que les mobs ils se packent. Ils se regroupent, ils se regroupent, ils se regroupent. Et après, l'idée c'était de les contourner par la droite. Sauf que je pouvais plus aller à droite. Il y a un truc qui me bloquait, je pouvais plus y aller. Pourquoi il est assis lui, on m'explique? Bah, c'est le dev quoi. Joli l'effet là. Très joli l'effet à travers la vitre là. C'est bien. Bon! Les strats à l'intérieur. Oh bah t'as tout compris hein. Tu l'as vu direct, t'es un tronqueur hein. Ça a gros tout, ça pack tout. Bon, normalement après t'es censé mettre un gros coup sauté à l'arme lourde dedans. Bon, là je pourrais pas mais. Bon, bah on y va hein. Coup de cul! Regarde derrière le tableau à gauche de la pièce. C'est écrit full en français. What? What? C'est écrit tout en français? Soin aux électrisés. Ne perdez pas une seconde. Dégagement de l'électrisé. Électrisé? Ah! Ah, c'est pour la réanimation, genre? Réanimation avec les. Défibrillateurs? Je suis un Pedi! C'est une affiche qui existe IRL? Ah ouais? Et du coup, tu voulais que je voie quoi exactement, Skull, dans la pièce? Non, il y a une différence entre électrisé et électrocuté. Ouais, mais bah. Je sais pas, qu'est-ce que quoi? Ouais, non? Là, ça parle d'électriser, que le monsieur faut l'aider. Bon, bref. Je suis pas médecin. Le passage du courant électrique dans un corps pouvant provoquer des blessures plus ou moins graves. L'électrocution est une électrisation provoquant le décès. D'accord? Mais est-ce que ça répond à ma question de est-ce qu'il y a une anomalie là? Non! Bon! Bah, m'emmerdez pas! Bon, j'ai envie de dire non, a priori non. Le smiler, il était déjà à l'étage témoin. Je tente. Je tente, c'est un coup, je me suis déjà raté. Hein. C'est bon. Ah, d'accord, Skull. Ok, bah, je regarderai. Il peut y avoir des trucs derrière, tu dis. Oh! 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 Oh, c'est... Ah! Ah! Trop bien! C'était trop bien, ça! Oh, c'était trop, trop bien, ça! Génial! Trop bien! Ah, c'était excellent celui-là de truc. Hein, casse-toi le sac mortuaire, le.
Putain, je m'y attendais pas. Oh, il y a un truc là. C'est quoi ça? Ça va pas, vous? C'est quoi ça? C'est quoi cette tête? What? Un ingé son, c'est ça? C'est le mec qui est là pour prendre le son? Ou il est là pour critiquer le dev qui a du mal avec le sound design? C'est ce qui reste du compositeur. Ça va la Mac? Oh, le smiley va bien changer à un moment. Des fois, il y a de quoi se demander si le jeu ne t'entend pas. Tu parles de couloir, il y a un truc dans le couloir. Tu dis un truc derrière, un truc, pas. Oh, c'est vrai ça, hein. C'est vrai ça, hein. C'est bien vrai ça, pour le coup, hein. Je suis emmerdé par un truc, là. Ah non, c'est bon. C'est bon. Ah oui, putain, comme le dit Hardrocker, je parle de nain, l'étage d'après, je rapetisse, s'il te plaît. C'est vrai. Derrière le tableau sur pied, regarde un peu, DJ, s'il te plaît. Derrière. Non, du coup, je pense qu'il n'y a rien de... Si tu parles de cul, on va entendre des proutes. Attends, viens, essaye. Tu es sûr qu'ils l'ont mis là, lui? Parce qu'il fait des proutes tellement fort qu'on est obligé de l'enfermer dans une salle avec des cadavres. Comme ça, on confond l'odeur. Je tente. C'est un coup, j'ai raté, hein. 204, 205 ou 200. Let's go. Attends, j'ai tenté un move, on va voir si le jeu il m'a écouté. Et là, imagine, tu rentres, t'entends... Doit pas être pratique de ranger un cadavre là-dedans, ou c'est moi? Doit pas être pratique avec la plante là. À chaque fois que tu fous un cadavre là-dedans, tu lui mets une feuille en plus. Bah oui, ça arrache les feuilles le machin, donc. C'est la weed du cadavre. Oh, le cadavre de temps en temps il se roule un petit pétard avec ça. Bon, j'ai un petit doute sur l'effet que ça fait, mais. Ça a l'air bon, non? C'est l'étage vegan. Vu? Mais non. T'aurais vu quelque chose? Ah bah faut dire les potes, faut le dire. QR code. Un QR code. Oh! Mais exact. Il y a un méga QR code sur l'écran là. Et le QR code, il devient de plus en plus visible. Donc on va le scanner. Alors là, putain, t'as des yeux de lynx, toi. Ok, c'est une vidéo YouTube. Y'a un truc, non, je sais pas, c'est japonais, je crois. 5 secondes. Qu'est-ce que ça dit? Hey, can you hear me, quoi? I'm machin, my game, il dit. Hey, can you hear me? I'm... Je sais pas quoi, my game, il dit. Ah, thanks for playing my game, peut-être. Ah, mais du coup... Mais du coup, c'est quoi? C'est une anomalie? Du coup, c'est une anomalie alors?
contente, hein. De toute façon, oui, si c'est pas dans tous les étages, enfin à chaque truc, c'est que c'en est une. Mais c'est très intéressant qu'il ait fait des moves comme ça, le dev. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Il y a un côté ARG, j'aime bien. L'affiche qui est retournée, Nick. C'est bon. Next. Et là ils vont dire ah bon ? Bah c'était pas ça que j'ai vu moi, hein ? Oh, comment il est creepy à me regarder de loin comme ça. Oh la tête ! Oh ! Oh ! Terrifiant ! Ah putain j'ai pas aimé ! Ah ça m'a... Oh, un frisson là ! De loin, me paraissait bizarre la tête, c'est pour ça que j'ai voulu m'approcher. Bah putain, mais bah ouais. Bah je confirme, il avait bien une tête bizarre de loin. Et donc j'ai niqué l'étage là. Oh putain, d'accord. Allez, bâtard! Ok. Ok, why not? Non, bien, 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 très bien ça. Très, 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 très bien ça. Donc, ouais, on va pas trop grid, c'est ça, voilà. Là, j'ai compris que c'était pas une bonne idée d'aller te voir d'un peu trop près. Que du coup, tu peux te faire baiser la gueule. On me l'a dit tout à l'heure, mais... Je suis pas sûr qu'on s'était bien compris. Vas-y, y'a rien. Ouais, faut pas être trop curieux, ouais. Ah bah oui, c'est normal. Bah oui, c'est... bah oui, mais en fait, t'as raison, c'est vrai que j'avais zappé. C'est vrai que c'est le premier étage, y'a jamais rien. Hein, vous, bord. Today I'm not a fool. J'ai trop envie de piloter là. J'ai une envie de fly les potes, vous savez pas comment. I wanna get high, I wanna get low. Come on, I wanna smoke a little spliff with you. I wanna get high, wanna get low. Merci pour le sub. Je suis en train de regarder une paire de boobs là. La tête surtout. Ah oui. Ah bah oui. Moi je voyais des boobs hein. DJ, depuis qu'on a batté les vidéos de Feldup sur Kick, je ne fais que batter ces vidéos, c'est incroyable. Ah, te spoil pas tout, à côté cut, te spoil pas tout. On en rebattra demain et tout, t'inquiète, pendant que je mangerai. T'inquiète, t'inquiète, garde-en quelques-unes sous le coude. Merci d'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui passent sur Kick. Des boobs. Ah, c'est vachement moins booby là. C'est moins booby. Ah bah, c'est bon. C'est le même QR code. C'est le même QR code. Ah, il va pas en mettre 50, c'est bon. C'est bon, il va pas en mettre 50. Ça va, Yuridi ? Un grand merci pour ton prime, excuse-moi. Merci beaucoup, Captain Gigi. Est-ce que je t'ai dit merci ? J'ai un doute. J'ai un doute aussi, hein. Merci, les amis. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ouais, c'est le même. En vrai, l'idéal, bah concrètement, le ton que j'ai sur Kick, c'est un ton qui s'en approche. Hein. En gros, si je gardais le ton que j'ai sur Kick, mais que j'expliquais des choses, eh ben j'aurais un ton un peu similaire.
On l'a retrouvé, l'ingé son, c'est bon. C'est bon, c'est l'ingé son, bah, il est mort. Il a plus la tête sur les épaules, il y a juste la tête, mais sur le lit de bord. Il aurait mis un recroll sur le QR code, ça aurait été épique. Ouais, j'avoue. Mais, avis personnel, je préfère ce qu'il a fait. Le fait qu'il ait juste dit « Thank for playing my game », je trouve ça bien. Je trouve ça bien. La dernière fois, j'ai pas vu la fin de ton live, j'ai fini dans les bras de Morphée. Ah ouais, c'est trop bien. C'est un jeu d'anomalie, ouais. C'est un jeu de recherche d'anomalie, exactement. Mais il est très très cool parce qu'il a des petites idées intéressantes. Notamment des paliers avec des boss. DJ, j'ai mangé un pain mayo. Ah, putain, maintenant quand il me dit ça, je suis dégoûté, s'il te plaît. Et re-Paléas. T'étais ce matin avec nous ? RAS, c'est pour moi pareil, hein. Salut, Ghostiba, et ça va, et toi? Attends, je suis pas sûr, hein. Derrière le tableau, non, me dis pas que j'ai oublié ça. Oh non. Non. Oh. Eh non, je me suis juste trompé d'ascenseur. Arcomanche. On dirait tellement mon père quand il parle. Oh bah t'as Arcomanche, hein. Non, je suis dégoûté. Non, t'es pas fini, pardon. Oh. Ah oui, restez ça. Merci, Ibis. Pas eu le temps de le dire. Non, mais c'est moi. Puis je pense que je fatigue un petit peu aussi. Un peu émotif tout à l'heure, putain j'étais trop content, les trucs des enfants et tout. Bon vas-y, vous savez quoi? Eh ben c'était bien cette découverte, on va le continuer ce jeu. Moi je vous dis, dimanche soir, ça vous... enfin dimanche, viens on le continue dimanche le jeu. Faut qu'on le termine dimanche, on fait ça? Donc là je vais faire un peu d'FPV là. Merci d'avoir suivi cette découverte sur Altapes. On continuera le jeu, de toute façon j'ai envie d'aller voir au bout ce que ça vaut. Donc moi j'aime bien, j'espère que vous aussi. Et je pense que prochaine session de stream on le termine. A très bientôt sur Altape, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, bisous sur votre pétou. Ah oui, putain, par contre, les gens qui regardent la vidéo sur YouTube, j'avais oublié de...